Hello! Aujourd'hui, on va faire un bain d'huile spécial cheveux crépus, mais alors avec une combinaison qui marche. Pour cela, il va nous falloir bien entendu le beurre de karité, l'huile de palmiste que j'adore ou alors l'huile de palme, l'huile de noix de coco et pour finir, une huile essentielle. J'ai choisi l'huile essentielle de romarin acinéa. Pour ma préparation, il va me falloir un bol. Pour commencer, je vais donc prendre une cuillère à soupe d'huile de coco. L'huile de coco, on la connaît depuis Mathusalem, qu'elle stimule la pousse des cheveux, elle les embellit et elle les hydrate. Et puis j'en passe d'ailleurs. Le beurre de karité, on ne cessera de citer ses facultés nourrissantes. Je vais mettre une cuillère à soupe bien pleine. Et pour finir, je vais mettre 2 cuillères à soupe de mon huile préférée, l'huile de palmiste. Vous pouvez utiliser l'huile de palme si vous le souhaitez, mais depuis que j'utilise l'huile de palmiste, mes cheveux, ils revivent, ils sont plus souples, ils sont plus lus, ils sont plus brillants, ils sont plus foncés. Allez, maintenant, on va passer notre préparation au bain-marie jusqu'à ce que le beurre de karité ait fondu. Je vais m'aider d'une cuillère à soupe pour que ça passe plus vite, pour que ça fonde plus rapidement. Voilà, c'est très rapide, ça ne prend même pas une minute. Je vais sortir ma préparation du bain-marie. Maintenant, je vais rajouter 15 gouttes d'huile essentielle de romarin acinéa. Ceci est donc une combinaison spéciale cheveux crépus à l'huile de palmiste ou de palme, à l'huile de coco et au beurre de karité qui va embellir vos cheveux, qui va les rendre plus souples, qui va les faire briller. Et puis voilà, c'est ce qu'on demande. Et si c'est pour stimuler la circulation sanguine, il faut tout simplement rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. On va donc mettre notre combo dans son flacon applicateur et on va passer à la pratique. Je vais passer vite fait parce que je sais que j'ai plein de vidéos de bain d'huile sur lesquelles vous pouvez vous repérer sur ma chaîne. Avis à toutes mes charmantes qui résident en Afrique, vous avez plein de chance, vous avez plein de ressources. Profitez de cette richesse, mélangez votre huile de palme ou palmiste avec l'huile de coco, ça n'assèchera pas vos cheveux. Ajoutez-y du beurre de karité et venez me voir après votre bain d'huile. Répétez cette opération sur un mois, vous verrez la différence, vous serez entièrement satisfaite de cette préparation. C'est plus pratique en divisant la tête en quatre, on masse, on démêle. Une fois que c'est fait, on va recouvrir notre tête d'un cellophane ou d'un film en plastique. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas utilisé la totalité de mon bain d'huile. Va me servir pour mon soin suivant. On va y rajouter notre foulard en satin et maintenant, on va aller au dodo. Bien sûr, me démaquiller avant et faire notre shampoing le lendemain. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.